parle de fantastique, pour moi, c'est pas tellement du fantastique ce que j'ai écrit. Il y a des passages qui peuvent faire penser à peut-être à du réalisme magique, même si c'est pas non plus complètement ça. Moi, mon propos, c'était de raconter une histoire avec une histoire qui a une origine dramatique, mais de la raconter de manière plus douce, de la rendre audible. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un enfant qui a été élevé par son grand-père. Et ce grand-père-là a cherché à protéger son enfant du drame, de leur drame initial, qui est un drame commun. Et j'ai essayé de voir quels pouvaient être les mots qu'utilisait ce grand-père-là pour protéger son enfant. Donc pour moi, ce n'est pas du fantastique. À la limite, on est plus dans le domaine du conte que dans le domaine de la science-fiction, par exemple. Enfin, d'ailleurs, il n'y a aucun élément de science-fiction, de fantastique. C'est vraiment, pour moi, plus de la fantaisie paternelle, à la limite. Le livre se passe dans les années 80. Ce sont des années que j'ai assez peu en affection, parce que, notamment au niveau de la musique, c'est une année qui fait ressentir beaucoup de nostalgie pour chez pas mal de gens, une espèce d'héritage du top 50, ce qui n'est absolument pas mon cas. J'écoute pas de musique des années 80, et même dans les années 80, j'écoutais pas de musique des années 80. C'est par rapport à l'histoire, parce que donc, ça parle d'un drame qui s'est passé à la fin des années 40, et je voulais voir comment, 30 ans plus tard, voire 40 ans plus tard, comment est-ce que les héritiers de cette histoire-là pouvaient continuer à vivre et quel pouvait être ce qui avait pu se passer durant ce laps de temps. Donc, et autre avantage, c'est que moi, j'ai un peu de mal quand j'écris. Il y a très peu de technologie dans ce que j'écris. Mes personnages n'ont jamais de téléphone portable ni de tablette, même si j'ai moi-même un téléphone portable. J'ai rien contre la technologie, mais dans mon écriture, j'arrive pas à... Ce sont des éléments que je trouve trop datés. Enfin, trop datés, qui donnent une indication trop précise sur le temps. Donc là, ça se passe dans les années 80, mais c'est un peu des années... des années 80 fantasmées, comme ça aurait pu être les années 60 ou 70, pour les gens qui les ont pas vécues, une espèce de rêve d'une époque qui est passée, avec des artistes qu'on a aimés, qu'on ne verra jamais en concert. Enfin, dans le livre, les Beatles, par exemple, sont très présents. Et donc, c'est une espèce d'époque magnifiée, mais qui n'est pas tellement... qui n'est pas sur une ligne chronologique précise. Donc, ça aurait très bien pu être... À la limite, j'aurais pu situer cette époque à la fin du 19e siècle, par exemple, ou au début du 20e, en croisant des artistes comme Picasso, Modigliani, enfin, des gens comme ça, qui font référence à... qui ont un côté complètement intemporel, parce qu'ils sont encore complètement présents dans notre époque, sans qu'on puisse vraiment dire à quel moment précis... Enfin, on sait à quelle époque ils ont vécu, mais peu importe, dans le fond. J'ai totalement fermé les écoutilles pour écrire ce livre, et pour commencer à écrire véritablement. Quand j'ai commencé mes premiers textes, j'essayais de les faire en écho à des auteurs que j'aimais beaucoup. Mais à chaque fois que je me relisais, je prenais beaucoup de plaisir à écrire, mais quand je me relisais, je trouvais que c'était pas mal, mais moins bien que l'auteur que j'aimais. Donc le gros du travail, ça a été de m'affranchir complètement de mes références. Et c'est pour ça que maintenant, les premiers retours, on parle de Boris Vian, on parle de plusieurs auteurs qui sont d'ailleurs pas tous des auteurs que j'ai lus. J'ai lu Boris Vian en l'occurrence, mais Pérec, j'ai lu mon premier livre de Pérec il y a 15 jours. Donc c'est assez intéressant de voir quelles sont les références qui m'ont marqué, et après certains, peut-être effet de cousinage, d'univers commun avec d'autres auteurs. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas une volonté de ma part.